N'a pas entré dans le thème jodi an. Pas oublier et émission c'est quoi de neuf doc et que jodi an a pour fièvre typhoïde comme thème. Typhoïde, gens que non le dit, c'est une maladie en pile haïtien tant de parler de lui déjà. On dit tant de parler de lui déjà et puis tout gain pile là dans tout qui expérimenté parce que nous non pays côté que gain pile insalubrité, gain pile et gen mauvaise hygiène en pile et non seulement poussière kap, et entrer dans soir manger et puis bon jan moun yo fait besoin yo jan que yo éliminer déchets yo vinn fait grand pile microbe qui disposé dans l'air là qui capable faire n'importe moun malade et que n'a parlé d'une maladie infectieuse une maladie que moun ka prend dans insalubrité dans et problème ça yo vinn fait les que n'a parlé de maladie ça son mari qui m'daka di vinn sans c'est commun vinn sans c'est commun en Haïti c'est-à-dire en pile moun capable et souffrir de maladie typhoïde ça fait c'est pas un bail qui nouveau que nous allons parler surtout tout monde qui haïtien tout monde et qui dans pays ça au côté que gagne en pile difficulté pour nettoyage et bien yo gagne qu'on souffrir maladie ça et que son maladie qui quitte un goût amer dans bouche en pile monde et parce que gen pile monde qui rivé paralysé à cause de fièvre typhoïde là parce que j'ai été qu'on fait traitement dans le temps t'es gen bonne bagaille et médicaments que qui pas trop disponible et bien qu'on y a gen pile changement qui fait gen pile changement qui fait parce que technologie a avancé pour ça mais li quitte goût amer dans bouche en pile monde tout et avec évolution qui vient faite dans médecine qu'on y a la traitement vient disponible vinn fait que médecin yo wè pi bien yo gen un pi grand éventail de traitement que yo ka bay yo invité et moins complications possible de maladie ça mais j'aime dire en tant longtemps en pile monde kon gen en pile problème les que yo gen maladie ça et plutôt et diagnostic différentiel yo en pile fois kon manke ka fait yo kon tromper les avec de l'autre maladie qui kon fait que moun yo paralysé mais jodi a ça qui intéresse nous c'est fièvre typhoïde là par définition nous dit fièvre typhoïde dans lui-même c'est une maladie que moun ka prend dans mauvaise hygiène genre comme dit déjà c'est microbe qui baille et que microbe et ça qui baille lien lui-même li c'est nous ka dit c'est une bactérie lié l'aime dit bactérie parce que tout microbe pas bactérie gen microbe qui virus gen microbe qui champignon c'est-à-dire type microbe qui baille maladie ça que nous les fièvre typhoïde dans lui-même c'est bactérie et que l'hypoténon salmonella typhi et que microbe ça lui-même et yo joine tout partout en pile côté dans monde là mais le plus souvent maladie en plus développé dans pays côté qui sous-développé yo et que pour raison que me saute dit nous rayon dans raison c'est que dans pays ça yo et la propre taille pas trop rendez-vous yon pays tant qu'au Haïti côté que grand pile effort cap fait mais grand pile côté moun yo pa gen moyen pour faire besoin yo pa ka faire besoin yo gen qui fait land l'eau dans rivière gen qui fait à terre OK et bien tout ça yo fait que et en pile moun et ka prend maladie et gens que me dit là et que yon nan façon ka prend maladie microbe ça son microbe qui vivent dans triplan tout dans gros triplan surtout et que on patient qui entre en contact avec lui Ndaka di littéralement c'est comme si c'est toilette c'est toilette ou prend mettre dans bouche parce que son microbe qui dans toilette ou dans toilette moun OK et que ou ka prend lait que ou boit de l'eau qui pas traité ou bien ou mange un fiou ou un légume qui pas lavé et l'aime dit un fiou ou un légume qui pas lavé on dit que ou manger un fiou que acheté dans marché et que dans marché ça moun yo en pile fois par un côté puis ou fait besoin c'est moun yo fait besoin au côté ou joine et bien ça ka arrivé et poussière voyé et microbe ça venir dans fruit venir dans légume là et puis ou même ou pas même rendre compte ou manger le comme ça et bien ça lui-même li ka vinn fait que ou malade OK c'est-à-dire ou prend et toilette là littéralement ou mettez dans bouche sans que ou pas rendre compte et ça c'est pour définition après ça bon tout dit qui gens mon yo ka prend maladie
qui ça qu'a fait au monde prend maladie ça genre que m'te dit déjà dans définition son pays son maladie côté que côté gain carence d'hygiène et bien lui-même li ouvert col li paraît col li paraît tout collé et c'est côté au négliger hygiène ou bien pays pauvre c'est ça que fait yo pas joine li en pile dans pays côté qui développé parce que dans pays ça yo prend en compte yo gain bon condition comment que mon yo ka toilette et comment yo éliminer déchets yo comment yo traiter fatra dans pays ça yo ça vient fait que et ou pas trop joine dans pays développé nous même nous gain deux caractéristiques qui fait que maladie ça ka attaquer nous non seulement li nan peyi kote ke ki gen manque de d'hygiène ki gen salubrité insalubrité en plus de ça tout nan peyi ki chaud en pilio nan peyi ki fait chaud en pilio genyen maladie c'est-à-dire nou genyen tout deux possibilités sa ou ta ka fait que moun fin malade les que yo en contact avec fièvre typhoïde la en plus nou nan peyi kote ke ki gen ti déficience nan proptéa et en plus de ça nous non pays qui fait chaud et si nak symptôme mon n'a senti les que li ta gen fièvre typhoïde là gen trois phases nous ka identifier nan jan maladie apparaît avec ça la quitter comme signe avec symptôme ça veut dire ça mon n'a senti première phase on d'arrêt l'on phase incubation da ka di c'est première phase là c'est et première partie et première phase là qui lui-même l'a duré 2 semaines et que le situé entre premier jour mon n'était tombé en contact avec microbe là avec et les que premier symptôme yo va apparaître phase ça nous relle phase incubation et que en pile maladie gain phase d'infection ça veut dire mon n'a gétant infecté avec maladie mais il beaucoup déclaré sous lui depuis premier jour que il te prend avec jour pour déclarer jour premier symptôme pour paraître qui pour faire mon connait le malade là mais étape ça lui même les phases d'incubation et que gens que me dit déjà le situé entre premier jour à et les que premier symptôme pour paraître non ca maladie et fièvre typhoïde là et phase d'incubation lui même c'est une période de 2 semaines on dit 14 jours et que deuxième phase dans lui-même c'est phase invasion ça c'est premier 7 jours après phase incubation c'est-à-dire après phase incubation qui c'est 2 semaines et bien premier 7 jours qui viennent et c'est-à-dire ça c'est phase invasion dans phase invasion on gagne quelques symptômes qui commencent à paraître tant que fièvre il y en a bagarre mon n'a senti col chaud en pile fièvre col chaud et que fièvre ça quand même rive 40 degrés c'est là que mon nan senti col chaud en pile ou main mon nan ouais vraiment son bagage qui presque bouillit OK et puis en plus de ça mon nan a gen tête fait mal et li pa ka dormi li gagnen ça y aurait les vertiges mais en pile fois moi même les mon yo dit ah donc gen la ou li mo sa brebel qui fait un pito dit là où li nan place vertige que moun n'a senti li gen là où li pa ka manger li envie vomi OK li gen li quand même gen vin gen diarrhée konsa tou ka gen constipation mais yon nan bagay que tout moun ki gen fièvre typhoïde toujours présenté yo toujours dit que yo gen gros douleur nan zone lombrique yo avait dit yo gen lombrique yo qui et yo gen vent fait mal et que vent fait mal ça li même li localiser dans l'ombrique. OK, ça lui même c'est m'ta ka di c'est yon nan signe cardinal, yon nan signe et que maladie gagne tout patient le plus souvent toujours gagne. Et puis après les que et toute bagaille ça on dit que ou paraît devant médecin ou dit ou gagne tout signe avec symptôme ça yo, et bien lui même li gagne des examens que là-bas ou fait. C'est sûr, li gagne des examens que là-bas ou fait. Et yon nan examen que en Haïti depuis moun tout moun ki paraît l'hôpital en Haïti depuis ou gen fièvre jusqu'à preuve du contraire ou gen soit typhoïde ou bien fièvre malaria nous dit le comme ça parce que fièvre ça yo m'ta ka di maladie ça yo après l'endémique mais yo présent dans pays hein yo présent en pile dans pays hein qui fait que depuis ou gen yon nan maladie sa yo n'a cherché konnen pour nous ça passé ou juste est-ce que son fièvre typhoïde ou bien son malaria ou bien n'importe ça lié parce que li important pour nous pour que nous cherché konnen ça passé et non oui n'tap di et bien dans sens ça il y a beau faire des examens et que examen que y a beau faire c'est sûr que premier bagage y a beau faire son hémogramme
son hémogramme pour qu'on non seulement sous pandémie avec tout si pas gain une pièce l'autre symptôme qui t'a montré gain quelque infection dans sang qui fait que ou vinn gain fièvre. OK, mais l'autre bagaille tout il y a beau fait un malaria test, un test de malaria pour regarder est-ce que c'est pas malaria lié, et puis il y a beau fait un widal. On dit widal, widal là lui-même c'est pas test confirmatif de fièvre typhoïde là. Mais lui-même si mon n'a gain sinak symptôme yo qui c'est fièvre, on n'a gain fait mal dans zone lombrite li, mon n'a gain tête fait mal avec l'autre bagage encore, si nous ouais que et widal la augmenté, nous t'a dit OK, nous penser fortement c'est un fièvre typhoïde. Mais pas lui-même qui c'est test qui plus sensible pour nous connaître et fièvre typhoïde là. Widal là le plus souvent d'après MSPP qui c'est ministère de la santé publique et la population, c'est lui-même qui régit la santé en Haïti. Yo dit que yo connaît que yo considérer mon gagne fièvre typhoïde les que en plus de sinak symptômes yo et que li gagne un widal qui égal à 1 sur 320. Mais nous gagne bonne littérature que nous lit qui dit depuis le rivé 1 sur 200 ou capable considérer le comme ça en plus de sinak symptômes yo pour vous passer aller sous traitement. OK, mais en plus de ça, ou même qui médecin et, ou bien infirmière qui atteste qui que ministère de santé publique bail possibilité qu'a fait consultation ou bien par contre des connaissances ou qui permettent ou faire consultation, les que on passe en venir devant, OK, ou rend nous compte que li gen fièvre, li gen en bonne signe avec symptômes, on dit ta bal font examen, li pote résultat ou pour quelqu'un et agglutine OEH 1 sous 160 ou bien 1 sous 180 ou est-ce que c'est un symptôme, c'est sûr que vous apprenez ce traitement. Et que laisse ça au pape en tort parce que vous avez déjà un symptôme et que vous pays tant que Haïti côté gain pile et insalubrité, gain tout et température là qui est élevée, qui c'est deux facteurs qui favorisent que fièvre typhoïde là développé. On dit que vous avez deux facteurs ça déjà disponible et en plus de ça, et patient gagne fièvre, patient gagne douleur abdominale dans zone lombrique, li gagne tête fait mal avec l'autre bagarre encore. C'est-à-dire déjà gagne un éventail de choses dans main qui permettent que ou ka tout commencer traitement. Pour patient les qu'on joue un résultat comme ça. Mais et ça qui pral faire confirmation, d'aka dit ça qui pral confirmer que patient a gagne fièvre typhoïde, c'est les qu'on ta bal font hémoculture. Une hémoculture c'est d'aka dit son culture de sang que ou bay fait dans la à côté que ou cultiver sang puis ouais est-ce que li gagne fièvre et est-ce que li gagne microbe ça que me télé salmonelle là dans li ou bien au coproculture laisse ça c'est culture de sel ou bien toilette ou laisse ça prendre pour étudier dans laboratoire puis ouais est-ce que li gagne microbe là qui disposé la dedans puis ou dit OK nous confirmer que ça son fièvre typhoïde. Mais quelques années de cela, les médecins cubains que nous avons en Haïti et coopération cubaine qui fait en Haïti depuis sous président Préval, nous toujours gagnons quantité de médecins cubains qui toujours apprendre dans le pays. Eh bien, ils ont même été fait une étude, ils ont même tout côté que ils dit tout haïtien qui vient dans consultation, on voit que ils ouais, ils ont signé avec symptômes qui t'a fait penser que et que son fièvre typhoïde, on dit que ils gagnent fièvre, ils gagnent votre fait mal, ils dit tête les fait mal. Et que soit le tagin diarrhée ou bien le constipation, c'est-à-dire tout signe avec symptômes ça, même si tu as fait un examen de widal pour lui qui ba 1 sur 80 a commencé traitement pour lui, c'est que moi-même me pas refuser tout parce que nous non pays côté que c'est prévention qui doit être faite. On dit que patient vient avec tout signe avec symptômes ça yo, nous pas capitaliser sur widal parce que pas oublier me dit nous widal là lui-même il pas signe, il pas examen, nous t'a qu'a dit qui examen définitif là, examen définitif pour qu'on connaît mon n'a gain fièvre typhoïde ou bien pour qu'on ait fièvre typhoïde là, et bien c'est hémoculture ou bien coproculture. En plus de ça, et après nous fin fait pour nous fin détecter maladie, j'ai comme te dit là, c'est tout ça on a bien pour nous faire comme examen. Et après ça, et yon nan bagay ki pi important, nan traitement maladie, yon nan bagay ki pi important nan comment on ka détecter maladie, c'est Jean patient a vinn devant tout médecin, tout professionnel de santé qui ça a faire, et bien li important pile pour que il y a ouais Jean patient vini. Et en plus de Jean patient vini, et puis ça le montrer comme signe avec symptômes, c'est-à-dire ou pas besoin trop capitaliser sur ça qui relait
Widal, genre que même si m'te dit lui-même, il considère comme examen pour que en attendant nous gagner pour nous faire, mais ou pas capitaliser trop sur lui parce que c'est pas lui-même qui c'est examen qui plus sensible cap et permettre que nous connaît ça passer. Qui gens que on monde cap prendre. OK, qu'on y a là qui gens nous ca fait prévention. Prévention c'est lui-même qui plus important, c'est lui-même qui plus important pour nous. Pour qui ça? Parce que nous déjà dans pays côté que nous gagnons presque tout facteur yo pas en faveur nous. Il y en a un facteur qui pas en faveur nous, c'est que nous gagnons au pays côté grand pile poussière, nous gagnons pays côté grand pile fatra et que ça yo même j'en ai éliminé celle on dit que sans que nous pas besoin toucher nommément nous qu'on est en Haïti qui gens que mon yo jeté et comment t'as dit ça les que yo fait nettoyage de latrine yo gens que yo fait nettoyage latrine yo qu'on lever nos zones et puis yo juste lever devant porte là va yo là gen bande bagaille ça ou imagine c'est-à-dire tout et poussière ça qui va rentrer la caillou en li cal tomber dans manger ou li cal tomber et on son bagaille wap manger c'est ça fait l'important en pile pour que tout ça n'a mangé yo tout ça n'a mangé comme fuit légumes yo ça pas le cuit yo et bien faut que yo lave yo très soigneusement non seulement lave yo et puis toi assurer nous que de l'eau n'a pas lave yo c'est pour l'eau tout que microbes déjà la donne c'est-à-dire son de l'eau qui traité son de l'eau qui traité ou qu'a traité avec chlore bah qu'on est ou qu'a traité avec chlore avec toute l'autre bagaille qu'on connaît qui ca traité de l'eau. OK, mais qu'on y a là faut que son de l'eau traité et que ou laver et fuit à avec. Et l'autre bagaille encore dans prévention, pas oublier c'est dans prévention mieux là. Et règle d'hygiène, gens que m'te dit là, c'est lui même qui plus important. Me dit c'est lui même qui plus important parce que déjà grand bon facteur qui pas en faveur nous. Et en plus de ça, nous gagnons de l'eau traitée, c'est de l'eau traitée pour nos boire, de l'eau traitée parce que de l'eau en lui-même, il est capable de faire que si n'a bon de l'eau pas traitée, nous capable prendre et microbes dans la donne. Et puis tout et les nous pral manger, les nous pral manger ou bien les nous sorti faire besoin physiologique, les nous sorti aux toilettes, l'important pour que nous ta laver mais nous pour que nous pas prendre nan microbe ça. Et mais soumis à Dieu, nous gen dit déjà, c'est un microbe qui rele Salmonella typhi, c'est lui même qui bail li et que nous gen expliqué des photocob en bonne bagaille sous li. Et kounya et après l'autre bagaille encore nous ka fait au Canada, nan pays tant pou Canada ou bien aux États-Unis, en France, yo gen un vaccin que yo développé que moun ka prend pour éviter pour pas ta gagner fièvre typhoïde. OK, mais en Haïti, nous beaucoup gagne vaccin ça malheureusement, c'est-à-dire que moun nous gagne yo pas joindre possibilité pour que ta vacciné contre fièvre typhoïde parce que nous beaucoup gagne vaccin qui disponible en Haïti. Mais dans pays tant qu'au Canada, aux États-Unis, en France, yo gagne. Mais gagne traitement très efficace une fois que tu apprends et maladie et que ou prend à temps ou gétan aller l'hôpital gagne pile possibilité pour sortir la donne. OK, yon nan complication qui ka vini. OK, yon nan bagay encore yo kon di moun yo les que y a fait traitement surtout m'tou enchaîné avec traitement les que y a fait traitement de maladie fièvre typhoïde là yo toujours dit que faut qu'ou éviter bagay qui gagne en pile l'huile. Pour qui ça? Parce que Pabli m te dit nous maladie li vive nan niveau et triple nan gros triple. Et bien n'importe bagay kap nourri microbe blanc faut qu'on évite. Non seulement bagay kap nourri microbe blanc ou bien tout kap fragiliser et gros triple, parce que on fois que ou manger le ou manger bagay ki liquide, on fois que ou manger bagay ki gros yo, et bien comme microbe blanc lui-même c'est déjà te vive nan niveau triple, eh bien il était déjà mangé tout sous côté triple, les qu'on manger barré qui go une possibilité pour que il ta vienne perforer pour ta vienne une perforation de triple. OK, c'est là que on ne pas veut arriver, les que toujours manger barré qui liquide, parce que
triple en lui-même li te gen vinn fragiliser tout bagay ki ka éviter que li pa vini daka di li pa vini pi fragiliser et bien yo fait que ou éviter li ou éviter tout bagay sa ou pou ke non pa tombe nan sin te konnen. Bon, mwen se ke mwen gen di an pil bagay, sa gen pou lwe avèk tritman, genyen pou medikaman ke moun ka pran lè ko gen fièv tifoid lan, sa pral depann de nan ki faz ou yi. An di ke sa pral depann eske se adulte, eske se adulte, eske se on ti moun ou bien son fan ansènt ou bien tou eske ou alèji avèk an medikaman. Tout ça yo eh bien et ça va dépendre de monde qui paraît là eh bien il y a connait qui ça pour bali mais c'est en même li connait qui ça pour li bail comme médicament. Émission ça pas fait côté que n'a vinn bail médicament pour que patient al bon n'importe gens parce que les si nous fait le comme ça ou même prendre médicament n'importe gens les ça li ka bail problème mais émission ça plus fait des rayons base et préventif pour que li aide au prévenir en qualité maladie parce que sous pas de connait qu'au de laver mon l'eau sur notre toilette ou bien sous pas de connait côté de laver fruits et légumes avec de l'eau traitée et que ça ca évite au prend fièvre typhoïde et bien on connaît jodi pour faire et que c'est mission ça pour aider que ou prévenir maladie on besoin connait à l'âme veut seulement font tourner sous prévention parce que c'est lui même qui est important pour nous parce que nous déjà gagné toute prédisposition c'est lui même qui est important pour que nous ta éviter parce que sous besoin éviter corps prend crasse c'est bien pour bien même Jean proverbe blandil et bien sous pas veut prendre maladie ça sous pas veut quitter fièvre typhoïde et touyer nous et bien c'est mesure de précaution yo mesure de propreté yo c'est eux même pour nous prendre et puis boire de l'eau traitée et en pile patient jeune bon résultat après traitement yo parce que médicament yo très efficace. Il y a un médicament qui te connait ba en pile problème dans traitement c'était chloramphénicol médicament ça yo retiré dans traitement fièvre typhoïde là et que c'est lui même tout qui connait fait que en pile patient ancien patient connait des petits problèmes ou point que connait tomber dans paralysie même si il gagne en pile débat sur point ça et puis tout éviter et boire médicament sans que yo pas ba nous prescription ces médicaments yo prescrit nous pour prendre parce que et c'est ça faut après dans émission ça pas et bail traitement pas dit qui médicament pour prendre parce que me pas pour mon yo abuser au délit OK me pas pour abuser au délit parce que émission pas venir remplacer docteur émission pas venir remplacer l'hôpital yo émission vient plutôt pour aider nous pour que nous prévenir c'est ça qui est plus important c'est message prévention qui est plus important pour émission ça et Jean que me te dit là m'a prendre et mesures préventives yo mesures préventives et dit important pour que nous disons c'est de l'eau traitée pour prendre pour boire c'est de l'eau traitée qui est bon pour vous c'est lui même pour boire en plus de ça c'est les ou elle fait besoin ou l'important pour ta faire en côté que notre toilette normale ou fait et que auto éliminer et celle-là c'est-à-dire pas une possibilité pour que l'al tombe dans manger moun ou bien l'al participer dans l'autre activité yo en plus de ça encore et laver tout fuit avec légumes yo avant nous manger yo laver fuit avec légumes yo avant nous manger yo boire de l'eau traitée et si nous t'a prendre rivière ou bien ba konnen nan source yo il est important pour nous traiter de l'eau parce que en pile fois ou bien moun ki konn à la campagne yo konn a bien nan rivière ou qu'on a ben nan rivière et que étant ben on ça est pour et celle a vini il vini sous toilette on dit toilette a vini sous c'est-à-dire ou pas connait si moun ça te gen fièvre typhoïde là et bien laisse ça ou même ou ka vinn et vinn gagner le tout OK ou va vinn prendre maladie c'est ça que fait si c'est nan rivière ou te prendre l'eau longtemps de l'eau rivière te konn bon mais qu'on y a là d'eau rivière pas bon en plus de fièvre typhoïde donc après choléra tout qui sont maladies infectieuses qui sont maladies que monde qui prend un an et non